Je me permettrai de dire deux mots sur le cinéma français. Peut-être, vous le savez, nous avons en France un cinéma français exceptionnel par rapport à tous les cinémas du monde. Le cinéma américain étant à part, je ne parle pas du nombre de spectateurs, de box-office, comme on dit, je parle de l'organisation pour produire des films, pour les présenter, pour les distribuer, comme on dit, et pour aussi pour les jeunes, pour faire leur premier film, pour ceux qui ont envie de le faire. Vous savez, il y a en France à peu près entre 30 et 40 jeunes qui font leur premier film chaque année. C'est absolument exceptionnel. Et ça, cela est dû aussi au fait que, voilà, vous êtes ici, vous vous intéressez, aussi, il y a à peu près 200, 220, 250 millions de Français qui vont chaque année au cinéma. Ça permet aussi d'abord d'être enthousiaste, d'avoir autant de spectateurs, c'est que la plupart des pays du monde n'ont pas. Le cinéma américain, c'est à part, on peut en parler si vous voulez, mais l'avantage du cinéma français, c'est d'abord complètement libre, de ne pas dépendre des producteurs ou des grandes compagnies, et d'être aussi divers et très très variés. Voilà. Alors maintenant, je suis à vos dispositions. Peut-être, je ne sais pas si vous savez, en deux mots, en ce qui me concerne, je suis d'origine grecque, je suis venu en France quand j'avais à peu près 20 ans pour faire des études. J'ai commencé une licence de lettres. Très vite, j'ai découvert le cinéma, précisément à la Cinémathèque. Et j'ai fait l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. Et j'ai pu après travailler comme assistant metteur en scène de quelques grands metteurs en scène, jusqu'au jour où j'ai fait mes films, mon premier film et puis les autres. Voilà. Alors, je suis à votre disposition. Écoutez, on parle beaucoup du cinéma et des directions d'acteurs. Alors on donne l'impression parfois que le metteur en scène, c'est quelqu'un qui dit aux acteurs « faites ceci, faites cela », ça ne se passe pas comme ça. Je dis toujours que ça peut se passer comme cela aussi. Les acteurs, c'est comme un tout petit comme des instruments. Vous avez les violons, vous touchez un tout petit peu, faites une belle musique, et puis vous avez un tambour, il faut taper dessus. Je ne dis pas qu'il faut taper sur les acteurs, bien sûr, mais enfin, il y a une autre façon de les traiter. Non, pour moi, c'est des collaborateurs, les acteurs. On dit beaucoup, on écrit beaucoup que l'esthétique d'un film, c'est le chef opérateur, c'est le décorateur, etc. Ça l'est, naturellement. Mais je pense que, personnellement, j'ai considéré que les premiers collaborateurs du metteur en scène, ce sont les acteurs. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui portent l'histoire à vous. S'ils sont bons, vous y croyez. S'ils ne sont pas bons, vous n'y croyez pas. Voilà. Alors, la relation avec les acteurs, c'est une collaboration. On parle beaucoup. Je parle beaucoup avec eux, ils me répondent beaucoup aussi, ils me voient, ils m'expliquent comment ils voient le rôle, après que moi je leur ai expliqué. Et là, on trouve, quand on peut se trouver, une sorte d'entente entre les deux. Avec une chose qui, pour moi, est définitive, le metteur en scène doit avoir toujours le dernier mot. Parce que c'est quand même celui qui est maître d'œuvre, c'est lui qui est jugé, et c'est lui, en plus, qui connaît complètement l'histoire. Alors parfois, vous avez des acteurs, surtout des grandes stars, qui veulent que le film se mette à leur disposition. Quand on sent ça, il faut les abandonner tout de suite. Je pense qu'il faut que l'acteur se mette à la disposition de l'œuvre. Voilà, c'est la condition sine qua non. Et c'est à partir de ce principe que la relation commence. Et il est vrai qu'ils ont des idées. Il y en a qui ont des très bonnes idées, et alors on les utilise. Mais c'est une collaboration, ça n'est pas une sorte de direction. Un peu comme un chef d'orchestre, par exemple, qui dirige un orchestre. Oui. Il y a de ça, mais on a affaire avec des gens de talent. Et j'ai toujours essayé de travailler avec des acteurs qui ont des qualités d'acteurs, qui ont du talent. Et je n'ai jamais été déçu en travaillant avec des personnes comme ça. Et souvent, j'ai demandé à des acteurs de faire des personnages auxquels ils n'étaient pas du tout habitués. Parce que vous savez, parfois, on les classe. Alors on utilise toujours, il fait très bien l'avocat, alors il fait tous les avocats du cinéma, il fait très bien les policiers, et ainsi de suite, voilà. Alors, il est comique, donc il me fait quelque chose de comique. Il m'est arrivé plusieurs fois de demander à un acteur comique, typiquement comique, vous avez parlé de Missing hier soir, et à Jacques Lemmon, qu'il était considéré comme un grand comique, je lui ai demandé de faire une tragédie. Et c'est vrai qu'au début, les Américains, les distributeurs, tout cela, ils étaient très contre, ils ne comprenaient pas.
Et puis finalement, il a accepté de le faire, ça aussi c'est important, que l'acteur accepte ce changement radical. Et pas seulement il a été formidable, mais il a eu des prix un peu partout dans le monde, à Cannes, à Hollywood, etc. Donc c'est ça ce que j'appelle la direction des acteurs. Et pour Montand, dans l'aveu ? Alors sur Montand, l'aveu, Montand, c'était quelqu'un qui s'était beaucoup investi après la Deuxième Guerre mondiale, contre la bombe atomique, ce qui était aussi la position du Parti communiste français et de l'Union soviétique. Il était très proche du Parti communiste. Et c'est vrai que ma génération aussi, je suis une génération après Montand, comme celle de Saint-Proul, qui est celle de Montand aussi, ils s'étaient beaucoup investis. Ma génération était beaucoup intéressée par la philosophie, l'idéologie du Parti communiste. Nous pensons que nous entrions dans une nouvelle ère, avec des propositions formidables contre la colonisation, contre la guerre, etc., etc. Et puis on s'est aperçu très vite que ce n'était pas du tout ça. On a utilisé nos meilleurs sentiments humains, et derrière il y avait un régime tout à fait opposé à ce qu'il disait, c'est-à-dire un régime carrément dictatorial. Et c'est vrai que, bon, on s'en est éloigné, et il y a eu des films anticommunistes, des fictions. Et puis un jour, il y a eu un livre d'un communiste qui a subi un procès auquel il a avoué des choses sous la torture, pas la torture physique uniquement, mais surtout la torture psychique, intellectuelle. Et un livre formidable s'appelait Arthur London. Il était vice-ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie. Et il était marié avec une Française. Il aurait été exécuté, mais grâce à sa femme, il a pu survivre à ce procès épouvantable. Tous les 13 autres ont été exécutés. Donc il a écrit ce livre, qui était sa propre expérience. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé que voilà, c'était une façon de répondre à quoi on a, à un moment donné, cru et été attiré. Et c'est comme ça qu'est né l'aveu. J'ai demandé à Joseph Saint-Proun de faire avec moi le scénario, montant de jouer le personnage. Et il était exceptionnel dans la mesure où il parlait de quelque chose qui l'intéressait, enfin, qu'il avait vécu profondément, et il a complètement exprimé. Il suffit de vous dire que le personnage est emprisonné, qu'il doit absolument avouer des choses qu'il a fait, il peu à peu, il dépérit, il maigrit, et il a accepté maintenant de maigrir de quelques 13 kilos en 8 semaines. C'est assez, ça se voit d'ailleurs dans le film, il est bien au début, et puis peu à peu, il maigrit. Donc c'était une affaire très personnelle de nous trois, de Simon de Signoret bien sûr, pour faire le film, et des autres personnes qui ont participé dans la distribution et dans la production du film. Merci. D'autres questions ? J'insiste sur cela parce que parfois les gens disent, à force de l'avoir entendu ici et là, que je fais le film politique, et je donne l'impression d'être quelqu'un qui s'élève tous les matins à... Alors, qu'est-ce que je vais faire comme film politique ? Non. Les films ne se passent pas comme ça. Les films, c'est l'histoire de passion. Il y a quelque chose qui me touche profondément et j'essaye de trouver l'histoire pour l'exprimer. Parce qu'au cinéma, il faut une histoire. C'est pour ça que j'ai fait très peu de films, d'ailleurs. J'ai fait une vingtaine de films en 40 ans, en 50 ans, presque. Tandis que j'ai des collègues qui en ont fait 40, 60, etc. Donc, il faut cet intérêt profond, parce qu'avec un film, on vit, vous le voyez à des heures, mais nous, enfin moi, je vis pendant un an et demi, deux ans souvent, parce qu'il faut d'abord il faut le décider, il faut l'écrire, il faut le faire accepter par des acteurs et des producteurs, chercher l'argent, ce qui est parfois très difficile, et puis les tourner, et puis les monter. Enfin, c'était un long processus qui conduit à avoir le film que vous voyez à des heures. Donc, ce sont des passions. C'est des passions. Parfois, ces passions-là conduisent à des succès, c'est très agréable, et puis parfois, ça conduit à des échecs. C'est très désagréable. Enfin, on vit avec. Je voudrais juste faire une toute petite rectification. Le mot dénoncer ne me convient pas. Quand on est jeune, quand j'étais enfant, on me disait on ne dénonce pas. Mais on montre, peut-être du doigt, mais bon. Mais je pense que, oui, aujourd'hui, nous nous trouvons devant une nouvelle situation dictatoriale, je dirais, mais tout à fait une dictature molle, impossible, difficile de se battre contre elle. C'est quoi ? C'est la dictature de l'argent.
c'est la dictature des grandes sociétés, enfin, sociétés des finances, des banques, tout cela, qui dirigent, à mon avis, nos démocraties, de plus en plus. Et c'est ça qui est les grands problèmes de notre société, parce que ce qui fait que les classes moyennes, la classe moyenne dans le monde s'est réduite de plus en plus, et nous avons de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Et ça, c'est dans les journaux tous les jours. Et c'est là, c'est à mon avis, risque de conduire à une explosion sociale, parce que c'est inacceptable. Et parce que ça conduit à l'individualisme, au tribalisme, je dirais. C'est de chacun pour soi. Et dans une société, on ne peut pas vivre chacun pour soi. Il faut qu'on vive ensemble dans des conditions acceptables et égales pour tout le monde. Voilà. Je ne parle pas d'égalitarisme, non, parce que nous sommes divers tous. Il y en a qui, je dis souvent, il y en a qui peuvent courir les 100 mètres à 10 secondes, et il y en a qui leur faut 20 secondes. Donc on n'est pas égaux, mais il faut qu'on soit égaux dans la société, et surtout devant la loi et devant les conditions dans lesquelles nous vivons. Le grand problème, c'est cela. J'ai lu un livre il y a quelques années, vous pouvez le lire si vous voulez, ça s'appelle « Le capitalisme total ». Il est écrit par un grand banquier, M. Pierre Levade, Jean Pierre Levade, qui a dirigé le Crédit Lyonnais pendant des années. Et il dit des choses terribles sur la façon surtout sur du comportement de ces grands groupes financiers. Il dit par exemple que pour eux, la démocratie, c'est un placebo. Il dit aussi que les grands chefs dirigeants de ces grandes compagnies financières et autres, s'ils ne produisent pas suffisamment de dividendes pour leurs actionnaires, eh ben ils sont renvoyés pour prendre quelqu'un d'autre qui les satisfait. Voilà. Donc nous trouvons... Et puis, l'autre chose qu'il dit aussi, qui est encore plus importante, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, en grande partie, n'est pas utilisé pour produire des biens. Ces produits sont utilisés pour produire des bénéfices. C'est-à-dire, on utilise l'argent pour générer d'autres argent, ce qui fait qu'il crée une grande pauvreté de l'autre côté. Voilà. Donc je pense que c'est ça la grande dictature de notre époque, et je pense que tout le monde est conscient, notamment des hommes politiques, mais apparemment ils n'arrivent pas les moyens de faire un barrage à cela, d'arrêter cela, et je pense qu'il y a la volonté, mais il faut une volonté générale, pas seulement une volonté individuelle d'un pays. C'est dans cette idée-là que l'Europe est très importante. Si tous les Européens se réunissent un jour et prennent des décisions dans cette direction, des décisions fermes. Ils en prennent en ce moment, mais pas suffisamment bonnes. Ça peut arrêter ce système qui est, comme je vous disais, catastrophique. J'ai travaillé sur deux ou trois sujets et qui n'ont pas pu se faire parce qu'on n'a pas trouvé les moyens. On a eu le scénario, etc. On n'a pas trouvé l'argent pour le faire. On avait les acteurs aussi, mais ceux qui donnent l'argent, qui distribuent les films, trouvaient que ça ne pouvait pas être commercial, comme ils disent parfois, et puis on a pu le faire. Et ça arrive, pas qu'à moi d'ailleurs, à tous les metteurs en scène, ça arrive. Bon, mais on n'en parle pas beaucoup, mais on passe au suivant. C'est un tout petit peu ça, c'est un peu le sort. Alors on passe beaucoup de temps. Le problème dans cette situation, qui est quand même pas aussi défavorable en France, parce qu'il y a toujours des possibilités de le faire. On finit, pas toujours, mais on finit par faire le film. Mais dans d'autres pays, c'est tragique, et ça finit par créer une sorte d'autocensure. Et les metteurs en scène se disent, voilà, je ne vais pas passer 6 mois, 1 an pour faire ce scénario et ne pas faire le film. Donc on fait quelque chose de différent, de plus facile à financer, comme on dit, de plus facile à faire accepter. Ouais. Et ça, c'est à mon avis la pire des choses. Nous avons ça aussi un peu en France, mais pas au point et au niveau des autres, de la plupart des autres pays, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Allemagne. Même l'Allemagne, qui est un pays apparemment très riche, ils ont ce problème-là. C'est pour ça que les cinémas européens, le plus florissant, si je puis dire, et celui même qui fait le plus de coproductions, c'est le cinéma français, fait des coproductions. Il y a un système qu'on appelle les coproductions des francophonies, c'est-à-dire tous les pays où on parle la langue française peuvent faire des films, être coproduits par la France, et les aide beaucoup. Il se fait une 60aine de films par an.
Il est vrai que la presse peut être, enfin cette espèce d'exposition, peut être un moyen de protection, la notoriété, peut-être. Mais quand vous avez des régimes comme celui de Chili ou comme celui de Grèce à l'époque, c'est une protection pour quelque temps. Mais vous savez, les pouvoirs totalitaires ont la mémoire très longue. Et ces témoins-là le payent cher plus tard. Pas immédiatement, parce qu'ils sont un peu protégés par leur notoriété dans la presse, mais après, ça risque d'être on découvre partout. Alors, il est vrai aussi que dans les pays démocratiques comme le nôtre, la presse peut aider beaucoup à ce que les affaires, certaines affaires négatives, sortent et que finalement aillent jusqu'à la justice, etc., et qu'elles trouvent une satisfaction judiciaire à l'arrivée, mais pas dans les systèmes autoritaires, pour ne pas dire dictatoriaux, parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui se disent démocratiques, qui sont plutôt dictatoriaux, finalement, dans le fond. Oui. Mais la presse, c'est vaste, la presse. Aujourd'hui, le grand problème, je crois, personnellement, je ne veux pas vous faire une sorte de discours de mes idées, mais le problème que nous avons aujourd'hui avec la presse, c'est qu'elle est... Il y a tellement de chaînes de télévision qui disent la nouvelle, il y a tellement de radios qui disent la nouvelle, tellement de journaux, etc. Alors ils sont obligés de fournir sans arrêt des nouvelles. Et malheureusement, pour avoir des spectateurs ou des auditeurs, il faut qu'ils fassent du sensationnel, du spectacle. Or, le rôle de l'information, ce n'est pas d'être du spectacle. Le spectacle, c'est nous qui le faisons. Et ça... Ça modifie la qualité des informations. Cette répétition à longueur de journée, tous les quarts d'heure, pour avoir rencontré des journalistes qui reçoivent sans arrêt des pressions par leur direction de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de différent, etc. Et là, malheureusement, ça modifie, à mon avis, le rôle de la presse, parfois. Il y a des grands journalistes qui ne le font pas, naturellement, mais ça peut modifier et donner une autre impression des événements qu'ils traitent. Le problème qu'on a quand on traite une vraie histoire, quand on fait un film avec une vraie histoire, c'est un problème très sérieux. Parce qu'une vraie histoire... On va parler d'AVE, de Z et quelques autres, Missing et quelques autres, se déroule pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et avec plusieurs personnages. Donc un film est obligé d'être réduit à deux heures maximum. Si on va de là, ça devient très compliqué à tout point de vue, même pour les spectateurs. Alors, on est obligé de prendre des éléments caractéristiques qui définissent bien l'histoire, et des éléments, que ce soit humain, que ce soit aussi des événements. Et c'est là le principe que j'ai toujours adopté avec mes collaborateurs co-scénaristes, c'est de respecter l'éthique des personnages et l'éthique des situations. C'est-à-dire ne pas utiliser des moyens cinématographiques pour les rendre plus attractifs, ne pas utiliser des moyens cinématographiques pour souligner telle ou telle chose, mais d'essayer d'être... le plus possible, non pas à la vérité, à la signification de l'action et de chaque personnage. Voilà ce que j'ai essayé de faire toujours. Et je pense, personnellement, après une expérience que j'ai des 4 ou 5 films de ce type, c'est la seule façon. Parce qu'au cinéma, on a des moyens formidables pour vous manipuler. Vous, spectateurs, je me laisse manipuler moi aussi dans les films. Que ce soit la musique, que ce soit le son, les différents sons, que ce soit les personnages, que ce soit même les comédies, comme je l'ai dit avant. Mais c'est un travail très 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 compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, pour faire un scénario, on peut travailler 6 mois, 1 an. J'ai fait un film qui s'appelait Amen, on a travaillé 1 an et demi sur le scénario parce qu'il a fallu vérifier chaque parole et chaque personnage et les attitudes des personnages. Et ça, c'est d'ailleurs à tel point qu'à la fin du film, pour essayer de prouver ça, j'ai mis une liste, ce qu'on ne fait jamais, mais une liste des livres que j'ai lus avec mon co-scénariste, Jean-Claude Grimbert, la dizaine de livres, on n'a pas tous mis, mais une dizaine de livres, pour dire voilà, on a consulté ces livres-là, et c'est comme ça que le scénario avait été fait.
Non, non, je vous en prie, non, c'est une question très importante. Je n'aime pas beaucoup donner des conseils, parce que les conseils, il faut que chacun utilise ses moyens propres, ce qu'il est, ce qu'il ressent, c'est à quoi il pense, pour faire des films. À partir de là, donc chacun est divers. Alors, je pense que si on veut faire des films, aujourd'hui c'est relativement facile. Si on revient à ma génération, où il y avait la pellicule, l'argentique, il fallait avoir une caméra, il fallait filmer, il fallait avoir de la lumière aussi, il fallait envoyer tout ça au laboratoire, revenir, faire le montage. Donc il fallait appartenir à une famille qui a les moyens, pour être très simple. D'ailleurs, si on prend le cinéma français des années d'après-guerre, tous les metteurs en scène, quasiment tous les metteurs en scène, jusqu'aux années 60-70, viennent des grandes familles françaises qui avaient les moyens. Il y avait les moyens parce qu'il fallait attendre longtemps pour faire un film. Bon, depuis, ça s'est beaucoup, popularisé, si je puis dire. On a des metteurs en scène, des acteurs aujourd'hui de toutes les communautés et qui font leurs films. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile parce qu'avec les numériques, il suffit d'avoir une petite caméra, un logiciel à votre ordinateur. Avec des amis, vous créez une petite histoire, vous la filmez quand vous voulez, vous la montez comme vous apprenez d'une certaine manière. Et je sais que beaucoup de metteurs en scène, jeunes metteurs en scène ont commencé comme cela, en dehors des écoles qui sont très difficiles pour entrer, comme la FEMIS par exemple, ou l'école de lumière, et puis l'école privée qui coûte une fortune, qui à mon avis, ça n'est pas le meilleur moyen. Il vaut mieux de prendre sa petite caméra et d'essayer avec des amis. Alors, le conseil, si vous voulez, entre guillemets, c'est d'être soi-même, d'essayer de ne pas imiter tel ou tel metteur en scène, telle ou telle école, ou tel et tel, je ne sais pas. Grand metteur en scène, un succès, il y en a quelques-uns. Et puis décider aussi pourquoi on va faire des films. Est-ce que c'est pour s'exprimer, dire ce qu'on pense, ce qu'on a dans le cœur, dans la tête surtout. Le cœur, je pense, c'est une pompe finalement, ça passe par la tête plus que par le cœur. Essayer de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Vous voulez dire, si ces films sortent de quelque chose de très personnel, sûrement, des expériences de jeunesse, sûrement, mais vous dites la vérité, moi je ne vais pas descendre dans la cave voir d'où ça sort tout cela. C'est là, et puis j'utilise autant que je peux. Il est vrai que les expériences personnelles, il y a un exemple que nous avons en France, le cinéma de la Nouvelle Vague, pour ceux qui le connaissent, qui est fait par des jeunes Français, ils parlent de leurs propres expériences dans la vie, pratiquement tous. Parce que c'est ça qui les concernait profondément. Alors je reviens à ce que je disais, monsieur là, qui me demandait un conseil. C'est ça. C'est pour ça que les films sont de qualité de la Nouvelle Vague, pas tous, un certain nombre, parce qu'ils sortent vraiment de la culture et du vécu, je dirais, des metteurs en scène. Voilà, moi, comme je vous le disais, j'ai commencé une licence de lettres précisément parce que j'avais envie d'écrire. Et puis j'ai commencé à apprendre le français aussi et je ne comptais pas retourner en Grèce. Et puis je me suis aperçu très vite que pour écrire en français des livres ou autre chose, ce n'était pas facile pour un étranger. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et tout, voilà. Et il est vrai aussi qu'après, combien, ça fait 70 ans, 60 ans que je suis en France, j'ai quand même viens d'écrire un livre et voilà. J'ai pu, mais il a fallu attendre 70 ans. Mais c'est que j'ai découvert à la Cinémathèque française un jour, très très vite, qu'il y avait un autre cinéma que le cinéma que j'avais l'habitude de voir. En Grèce à l'époque, il y avait une forte censure. On ne voyait que des films de cow-boys, des films d'action, des films comme ça, des comédies musicales. Je suis allé à la Cinémathèque et j'ai découvert, parce que j'ai vu un Erich von Stroheim qui s'appelle Grid, les rapaces. Alors si vous ne l'avez pas vu, voyez ce film, c'est absolument extraordinaire. C'est un film de... Enfin, celui que j'ai vu, la Cinémathèque faisait 3 heures, mais le vrai film fait 5 heures. Une tragédie. Deux personnages qui se battent dans le désert et qui parlent d'argent tout le temps, etc. Mais j'ai découvert, donc, à travers ce film, et à travers l'explication qu'avait donnée Harry Langlois, qui dirigeait la Cinémathèque à l'époque, qui a créé la Cinémathèque, qu'il était possible de faire des œuvres comme au théâtre classique, que ce soit français, que ce soit
grec, que ce soit anglais, etc., des œuvres sérieuses, parler de la société, parler du monde. Et c'est comme ça que j'ai décidé de passer de la littérature à le cinéma. C'est-à-dire, c'est quoi le cinéma? C'est une écriture avec des images, finalement. On n'écrit pas des phrases, on fait des images, et avec les images, on raconte une histoire. Voilà. Et je trouvais que ça me convenait mieux physiquement aussi. Parce que je voulais insister sur un point, pour faire des films, il faut, c'est vrai qu'il faut la passion, mais il faut la santé aussi. Et après, un peu de talent aussi. Mais la santé, c'est essentiel. C'est ce que m'a dit un jour René Clair, que j'ai assisté dans un film. Il m'a dit, vous voulez faire du cinéma? Je dis éventuellement. Il m'a dit, ben voilà, il faut avoir la santé. Et après, vous verrez pour le reste. Vous savez, la préparation des acteurs, je ne l'ai pas dit avant, la préparation des acteurs, 50% de la préparation d'un acteur dépend du choix de l'acteur. Parce que il faut quand même que l'acteur soit intéressé par l'histoire, le sente profondément, que ce ne soit pas juste un autre boulot. Et que dans la discussion que j'ai avec eux, je comprends très vite la raison pour laquelle il veut faire le film. La raison, c'est toujours la profession, etc., l'intérêt, tout cela. Mais parfois, c'est, je le répète, c'est pour se promouvoir. Mais il faut que ça soit pour promouvoir, avec son talent, pour promouvoir l'histoire. Voilà, il faut vraiment se mettre à fond dans l'histoire, comprendre. Parfois même, quand ils sont très jeunes, je les incite à lire des livres, à lire l'histoire du pays, à lire l'histoire de la dictature, par exemple. Ce que c'est qu'une dictature? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Bon, une dictature, c'est quoi? C'est des militaires qui prennent les pouvoirs et qui font boum boum. Non, c'est autre chose. Donc, ça, c'est déjà une sorte de préparation très importante pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas. Et s'ils le font, alors la collaboration devient très, très, très facile. Non, mais d'abord, je n'ai jamais, quand on voyait les films, je n'ai jamais dit que c'est au Chili ou que c'est la Grèce ou je ne sais pas quoi. C'est un film. C'est une histoire humaine avec des hommes, des femmes, les uns qui ont le pouvoir et les autres qui subissent le pouvoir. Et après, les spectateurs peuvent s'intéresser pour savoir où ça s'est passé. Puisque, en général, je mets au début que ça, c'est une vraie histoire. Des mêmes pour Z, par exemple, comme on ne lit jamais ces choses qu'on met au début. La première chose que j'ai mis, volontaire. Et après, on dit volontaire, tous les personnages, etc., dans l'histoire, sont des vrais personnages volontairement. Voilà. Alors, pourquoi je fais cela? Parce que le contenu de ces histoires, les mécanismes de ces histoires, ils sont universels. Ils sont universels. Les putsch au Chili, par exemple, La dictature de Pinochet et la répression de Pinochet, c'est universel, ça passe un peu partout où il y a une dictature. Elle est sanglante, elle prend le pouvoir, il met des gens en prison, il les torture, il les font disparaître. Voilà. En Grèce, c'était un peu différent, mais c'était encore un autre type de dictature. Donc, je fais cela, ou l'aveu, c'était la Tchécoslovaquie, mais c'était un autre type de mécanisme, mais je veux que les spectateurs participent un tout petit peu, qu'ils essayent de comprendre où ça se passe et pourquoi, et peut-être en sortant, s'il a envie, de savoir un peu plus par des livres, ou je ne sais pas, ou s'informer autrement. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, on peut très facilement pianoter et savoir tout ce qu'on veut. Voilà, si vous voulez, si je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question, mais c'est mon sentiment. C'est dans cette perspective-là que je fais les films. Bah, vous savez, les films, c'est comme les enfants, je dis toujours. C'est les enfants, et alors vous avez trois ou quatre enfants, il y en a un qui n'a pas réussi dans la vie. Et c'est lui qu'on aime le plus. Voilà. C'est ce qui m'arrive avec mes films. Il y a un ou deux films qui n'ont pas beaucoup réussi dans la vie, c'est-à-dire on n'a pas été vus. J'ai beaucoup d'affection pour eux. Je les ai d'ailleurs dans ce coffret, je les ai mis. J'ai travaillé avec eux aussi bien que pour les autres. Et je pense que ça peut intéresser des personnes. Voilà. Thank you.
Est-ce que vous, je me permets, est-ce que vous pouvez citer ce film ? Si, si, il y a deux films. Il y a un homme d'Étreau qui est le film sur la résistance française, parce que j'ai traité la résistance avec des jeunes résistants, un tout petit peu comme un film, comme un western, qui à l'époque ça n'a pas pris du tout. Hein. Personne n'a été les voir, les critiques l'ont. Je l'ai montré dernièrement au festival de Lyon, et ça avait très bien marché. Bon, mais il y a un autre qui s'appelle Anaka, et qui n'a jamais marché. Il a pas marché. Enfin, il a marché un tout petit peu en France, mais nulle part ailleurs, il n'a pas pu sortir, il avait des grandes difficultés, il a toujours des difficultés, il est dans le coffre. Si quelqu'un s'intéresse à voir un enfant qui a eu des problèmes... Ben, le documentaire, oui. J'ai eu envie, mais je sais aussi que le documentaire, qu'on considère comme un genre très très facile, c'est très difficile. Je vais vous donner un exemple. En France, les metteurs en scène de fiction, il y en a, je ne sais pas, je ne connais pas le chiffre exact, nous sommes peut-être 200, 300, peut-être plus. C'est... Les grands documentaristes, les documentaristes, oui, on peut les compter au doigt de la main. Voilà. C'est extrêmement difficile. Tout le monde veut faire un documentaire, mais ça n'est pas si facile que ça. En plus, pour les sujets que j'ai traités, même si j'ai eu la velléité à un moment donné de faire, il n'y avait pas d'image, pas suffisamment d'image pour raconter l'histoire. Et puis je pense aussi que l'accès, la métaphore qu'on peut faire avec la fiction, on ne peut pas la faire avec le documentaire. Le documentaire, c'est direct, c'est ça, et ce n'est pas autre chose. Et ce n'est pas, pas faire une métaphore. Donc la fiction permet cela. Permet cela, permet aussi d'avoir des émotions qu'on n'a pas toujours, forcément avec le documentaire. Voilà. Et je pense que c'est important, les émotions. Et c'est un peu le rôle du cinéma, comme du théâtre. Avec mon temps à Signoret, c'est une histoire pour un jeune cinéaste très paradoxale, parce que je ne le connaissais pas. Simone Signoret, je travaillais dans un film de René Clément qui s'appelle Les jours et l'heure, et je m'occupais du problème de Simone qui était la star du film, et je suis allé chez eux pour parler du programme, pour parler costume, etc. Et elle m'a demandé de lui expliquer comment c'était l'occupation allemande et la guerre civile grecque. Elle s'était beaucoup intéressée à cela. Et je lui expliquais les choses, les expériences personnelles et de famille que nous avons eues. Et ça l'a beaucoup intéressée. Et mon temps qui écoutait, il m'a dit, est-ce que tu joues au volleyball ? Je dis, je joue au volleyball. Elle dit, viens à la campagne la semaine prochaine, on fera une équipe de volleyball. Voilà. Et c'est comme ça, j'ai pris contact avec eux. Et puis ils m'ont invité de nouveau. Ils invitaient beaucoup de jeunes du cinéma. Et puis, quand j'ai fait mon premier scénario, Simone l'a lu, et elle a dit que je fais, si tu veux, ta actrice, comme disait la vieille actrice. Elle avait que 45 ans, mais elle aimait bien ne pas essayer de faire passer pour être une jeune actrice, comme le font en général. Elle était en contrepoids, Simone Signoret était contrepoids et tout. Et comme ça, ça a commencé. Et mon temps aussi, quand il m'a dit, par exemple, Simone m'a dit que c'est un très bon scénario, un peu un rôle pour moi. Enfin, ce qui a joué un rôle important surtout, c'est que Montand ne voulait pas faire un policier. À l'époque, nous étions à lendemain de la guerre d'Algérie, c'était en 65, et que l'image du policier n'était pas très bonne. Voilà. Alors ça l'ennuyait beaucoup, mais le rôle lui plaisait beaucoup aussi. Alors je lui ai dit, pourquoi tu ne joues pas avec l'accent du Midi ? Montand avait l'accent du Midi, puisqu'il est en Marseille, et il le combattait un tout petit peu parce qu'il ne voulait pas passer être comique, parce que l'accent du Midi était toujours chez les comiques comme Fernand Del, comme quelques autres, Rélis et d'autres. Et je lui dis, ben, essayons avec l'accent du Midi parce que ça te fera un masque, ça sera quelqu'un d'autre, ça ne sera pas Montand le chanteur qui est sur Olympia et d'autres qui fait des concerts, ça sera un flic avec l'accent du Midi. Il a essayé. Je lui dis, si ça ne marche pas, on va doubler. Non. Et puis il a essayé, il était content, il est senti. Et il a dit plus tard dans ses biographies qu'il a senti finalement pour la première fois que être acteur n'était pas avoir des postures, imiter tel ou tel acteur. Lui, il le faisait, il dit qu'il imitait Humphrey Bogart par exemple, tenir la cigarette comme ça. Ou Gary Cooper marcher comme ça, comme un cowboy. Il a dit qu'il a compris que
ça vient de l'intérieur. Ça vient complètement de l'intérieur. C'est la seule façon de pouvoir jouer un personnage. Et alors, ça, naturellement, nous a beaucoup rapprochés. Après, on est devenus plus proches. Et les films qu'on a fait par la suite, comme Zahid l'aveu, ils ont eu beaucoup de succès. Et ça, ça a réuni beaucoup plus. C'était devenu des amis, pas seulement professionnels, mais amis aussi de famille. Merci. Je crois que vous aimez beaucoup aussi, Simone. Pardon ? Je crois que Simone vous aimez beaucoup aussi. Oui. Les bons films, c'est les films qu'on aime. Et puis il y a des beaux films qu'on n'aime pas aussi. Et ils sont bons quand même. Mais il n'y a pas de recette. Il y a Cocteau qui disait, on sait comment faire des bons films et des films qui marchent. Il y a des règles, mais nous ne les connaissons pas. Et je pense que c'est très bien comme ça. Je crois l'avoir répété ça hier soir. C'est pour moi, c'est un principe. Et je crois que c'est parfait que ça soit comme ça. Qu'on ne sache pas. Parce que les films, finalement, on dit souvent... les spectateurs aiment ou les spectateurs vont faire ceci, enfin, c'est là. Mais qui sont les spectateurs? Vous êtes combien ici? 150, 200, et puis vous êtes tous différents. On ne peut pas dire les spectateurs, le spectateur, les sont des milliers de spectateurs, chacun avec ce qu'il est, avec ce qu'il pense, ce qu'il intéresse, voilà. Donc, chacun a son bon film. C'est comme la beauté. C'est comme l'histoire d'amour. Il y en a qui aiment une femme ou un homme et ils disent « Bon, bah, il est moche, comme ça, comment elle peut l'aimer, il peut l'aimer ?» Bah, on l'aime, voilà. Il n'y a pas d'explication. Voilà. C'est heureusement, d'ailleurs. Parce que tout le monde peut trouver un amoureux ou une amoureuse. Il ne faut pas que ce soit beau comme ça ou belle comme on voit sur les affiches, etc. Non, il y a autre chose à l'intérieur qui nous émeut, qui nous attire et que, voilà. Vous savez, j'ai entendu dire beaucoup et souvent, les idéologies sont mortes. Et puis qu'est-ce qui se passe? On vit dans une période dans une idéologie morte. Voilà. Mais je pense, comme disaient les Grecs anciens, ils disaient les idéologies naissent, grandissent et se meurent, et dépérissent. Et bien il faut en inventer une autre. Il y a des idéologies qui ont suivi le monde, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, que ce soit le centre, l'extrême droite, etc. Et bien ces idéologies ont dépéri. Parce qu'ils ont donné probablement des bons résultats pendant un moment, et puis le monde a changé, l'ensemble du monde a changé, et il faut chercher autre chose. Et il faut les trouver, ça n'est pas si facile que de le dire. Mais un monde ne peut pas vivre sans idéologie. D'ailleurs, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, ne peut pas ne pas avoir une philosophie personnelle du monde, une idéologie personnelle, une idéologie philosophie, comme vous voulez, les deux à la fois. Voilà mon sentiment. Donc, merci. Je vais accueillir et donner la parole à M. Bernoussi, qui est le premier vice-président de l'Université de Nantes, et qui va nous rejoindre aussi pour nous parler du lien entre la philosophie de l'Université de Nantes et le cinéma de Costa Gavras. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Costa Gavras, en fait, le thème est trop compliqué pour moi, je vais être très bref. Je vais vous faire un aveu. En fait, on a l'habitude d'avoir une réunion tous les lundis matins, tôt avec le président. Et on fait le calendrier, on regarde les agendas. Il y a 3 semaines, j'avais vu cette cérémonie et votre venue sur l'agenda. Et tout de suite, j'avais demandé à ce qu'on me libère pour que je sois présent, mais plutôt dans la position confortable, là-bas, en train de prendre des photos et de vous écouter. Je ne m'attendais pas du tout à me trouver ici et j'avoue que depuis une semaine, j'ai appris que je suis là. Je suis très impressionnée et j'entends. Je dors pratiquement plus, donc je vais être très mauvais malgré les répétitions. Il faut dire ça, c'est pas bon pour eux. Hein, ça. Pour vous. Malgré les répétitions, donc comme ça, je n'aurai pas de carrière dans le cinéma, je suis sûre. Alors, je suis très contente de vous accueillir ici et très fière. Vos films, je crois que j'en ai vu, vu l'âge, j'en ai vu un certain nombre, même plus tardifs, et vos films marquent tout le temps.
Et quand on regarde un film, on ne sort pas indemne parce qu'on a toujours quelque chose qui reste, soit une envie révolutionnaire, une envie de défense, une envie de défendre l'humanité. Et j'étais marquée, j'ai lu dans la revue de presse la phrase de Madame Taubira, on n'est pas de la même génération, mais c'est toujours la même chose, le même sens qu'il y a. Alors je ne vais pas parler de tous vos films parce qu'il y en a beaucoup, et je ne vais pas dire des préférences personnelles, même si il y a certains films qui ne sont pas cités, qui m'ont marqué, je voudrais en parler. Je vais en parler notamment de un, qui est le dernier, Le Capital, en 2012. Il n'est pas là encore. Il n'est pas là encore, mais il arrivera. En 2012, et qui est un film, je ne sais pas si vous l'avez regardé, qui est un film qui marque les dérives de la finance, de l'économie, etc. Je suis désolée, il y a un engagement politique, je vais faire un peu de la politique, même sans arrière-pensée. En 2012, Le Capital, et je vais le mettre en lien avec une phrase, parce que c'était une campagne électorale en France, avec une phrase où, que tout le monde connaît, où c'était « Mon ennemi, c'est la finance ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, quand on regarde dans la campagne actuelle, et quand on fait la synthèse, je crois que Le Capital n'a pas pris une ride. C'est un film qui reste toujours d'actualité et qui reste toujours vivant. La phrase, par contre, bon, elle a vieilli un petit peu. Tout ça pour dire qu'on est, ça rejoint la dernière question, tout ça pour dire qu'on est dans un monde qui bouge et dans un monde qui se transforme, où il y a la perte des idéologies, parfois la perte de repères, et parfois on est surpris par certains choix politiques, démocratiques. Et j'espère qu'on n'aura pas beaucoup à notre film de conseil de famille dans certains pays qui vont marquer. Et pour cette raison, je pense que vos films doivent être enseignés à l'école, et ça donne tout le sens de cette masterclass au sein de l'université et de votre présence au sein de l'université. Alors je voulais juste vous dire, vous avez reçu énormément de prix. Là, vous venez de dire tout à l'heure, il suffit de tapoter sur Internet pour savoir, donc je ne vais pas les rappeler. Mais la Palme d'Or à Cannes, le prix du jury à Cannes, un Oscar de meilleur film étranger, et donc énormément de prix. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, et puis élevé au grade d'officier en 2013. Du coup, la médaille que je vais vous donner n'est certainement pas ni la plus prestigieuse, ni la plus importante, ni même une récompense. Mais c'est une médaille qui témoigne de trois choses. La première, c'est d'abord la fierté de l'Université de Nantes de vous accueillir ici. Nous sommes fiers de vous avoir parmi nous. La deuxième, c'est pour vous remercier parce qu'il y a déjà un échange avec le Festival espagnol. Vous êtes venu en 2013, vous êtes revenu. Et la troisième, c'est pour vous dire, et c'est l'expression de la médaille, c'est pour vous exprimer l'amitié de l'Université de Nantes et pour vous dire, revenez quand vous voulez. Toutes les portes de l'université vous sont ouvertes. Nous serons toujours heureux de vous accueillir. Certaines médailles quasiment officielles. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas pourquoi on me les a données. Ils ont sûrement leur raison. Mais celle-ci a un sens pour moi parce que cette université, c'est tous les jeunes, c'est quelque chose de très direct et vrai. Merci beaucoup, ça me touche profondément. Merci. Et je suis prêt à revenir si vous voulez. Merci.